Bon, il faut que j'aille à la mairie de Paris tout de suite récupérer la liste de tous les collèges et lycées et écoles. Bonjour et bienvenue à la mairie de Paris. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Bonjour, monsieur. Serait-il possible d'avoir la liste de toutes les écoles, ainsi que les collèges et lycées parisiens, s'il vous plaît ? Ça serait pour quelle raison, s'il vous plaît, monsieur ? En fait, je cherche une école pour ma petite nièce qui cherche la meilleure école de Paris. Et c'est pour cela que je viens récupérer la liste de toutes les écoles, ainsi que les collèges et lycées, pour voir lesquels sont les mieux notés, et afin d'établir notre choix. Car notre choix sera bien entendu en fonction de la meilleure école de Paris. Tenez, je vous offre ce billet de 20 € pour vous remercier du service que vous allez me rendre. Ah, c'est gentil, mais inutile de me donner ce billet de 20 €. Je ne vais faire que mon travail. Ne vous inquiétez pas, gardez votre billet de 20 € et je vais vous établir de suite la liste de toutes les écoles ainsi que les collèges et lycées de Paris. Et ainsi, vous pourrez faire le bon choix de la meilleure école de Paris pour votre nièce. Je vous remercie infiniment pour votre service. Vous êtes très agréable et très sympathique. Je vous en prie, je ne fais que mon travail. J'arrive. Tenez, voici la liste complète. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires dans cette liste. Merci infiniment. Je ne sais comment vous remercier. Vraiment, vous faites très bien votre travail. Et si je pouvais voir votre patron pour parler de vous, je ne ferais que des éloges à votre égard. Merci beaucoup. Ah bah, merci beaucoup, hein. Y a pas de quoi, vous savez. Je ne fais que mon travail. Eh bien, c'est du bon travail en tout cas. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Je vous en prie, monsieur. Au revoir et bonne journée. Voilà, maintenant vous êtes tout enregistré dans mon ordinateur. Il n'y a malheureusement pas de garçon dans votre classe. Et on espère quand même qu'il y en aura très prochainement. Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter chacune votre tour, vous présenter à toute la classe, en commençant par votre prénom et vos activités et vos loisirs que vous préférez le plus dans votre vie. Voilà, chacune devra faire une brève présentation de soi, sans pour autant aller dans les détails, bien sûr. Donc on va commencer à droite par Coconut Cutie. Bonjour, moi je m'appelle Coconut Cutie et j'adore la mer, j'adore la plage et j'adore nager. Bonjour, moi je m'appelle Teacher's Pet et j'adore lire des livres. La lecture c'est l'une de mes passions et j'adore aussi jouer avec mes copines et aller au cinéma aussi. Bonjour, moi c'est It Baby et j'adore tout ce qui est mode. Et j'adore faire les magasins avec mes copines. Bonjour, moi c'est Fresh. Et j'adore le sport. J'adore aussi les voyages. Et quand je serai grande, j'aimerais faire le tour du monde. Bonjour, moi c'est Super Bébé. Et j'adore faire les magasins aussi. Et j'adore le mannequinat. Mon rêve, ce serait de devenir mannequin quand je serai grande. Bonjour, moi c'est Cherry. Et j'adore aussi tout ce qui est mode, comme ma copine It Baby. Plus tard, je rêverai de faire styliste. Mais j'aime aussi la lecture, le cinéma, le restaurant entre copines, et ainsi que plein d'autres activités, surtout avec mes meilleurs amis. Bonjour, moi c'est Oops Baby. Moi aussi j'adore le cinéma, la lecture, les restaurants, et ainsi que la cuisine. Bonjour, moi c'est DJ et j'adore la chanson. Plus tard, j'aimerais bien être chanteuse.
et j'adore aussi mes copines. Ça, je voulais qu'elles le sachent. Bonjour, moi c'est Curious Cutie. Et comme DJ, j'adore aussi mes copines. J'adore la lecture, le cinéma, la mode, faire les magasins, les voyages aussi, la lecture. J'adore plein de choses. Excellent. Vous vous êtes bien présentées chacune. Ça permet de mieux se connaître. Maintenant que vous vous êtes présentées chacune, nous allons commencer avec un petit exercice de mathématiques. Nous allons voir les multiplications ainsi que les additions et soustractions et bien entendu, vous n'avez pas droit à la calculatrice. Et nous allons en profiter pour faire de petits rappels. Est-ce que c'est compris ? Oui, professeur ! Excellent ! Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est de répondre à cette addition. La voici. Donc 5 plus 3. Et vous allez toutes noter le résultat sur vos cahiers. Et ensuite, j'interrogerai quelqu'un. Voilà, notez vite le résultat sur votre cahier. Et maintenant, j'interroge... Teacher's Pet, tiens. Teacher's Pet, est-ce que tu as trouvé combien font 5 plus 3? Oui, professeur. Ça fait 8. Excellent, ma grande. Bravo. Bonne réponse. Et j'espère aussi, vous autres, que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, je vais interroger une autre d'entre vous pour me rappeler les jours de la semaine dans l'ordre. Tiens, Oops Baby, peux-tu répondre à la question « Quels sont les jours de la semaine dans l'ordre ?» s'il te plaît. Oui, professeur. Alors, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Excellent, Oops Baby. Je vois que ça commence bien. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes réponses. Donc maintenant, nous allons passer aux soustractions et aux multiplications. Psst, Jerry, arrête de te retourner comme ça, tu vas te faire voir par la professeure. Retourne-toi avant qu'elle ne te voie. Oui, t'inquiète. T'as vu Fresh là? Elle me dit quelque chose. C'était pas elle à la station d'essence qui avait perdu ses 20 euros sous la chaise? Regarde-la, tu vas voir. Son visage me disait déjà quelque chose. Oui, mais Cherry, retourne-toi, tu me raconteras après. Derrière, Cherry et Curious Cutie. Est-ce que vous voulez faire partager à toute la classe ce que vous dites? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à raconter ce que vous avez à dire après les cours. Non, ne vous inquiétez pas, madame la professeure. Ce n'est pas du tout intéressant ce qu'on a dit. Je lui demandais en fait si on avait besoin de la calculatrice pour faire les exercices de maths. Alors, Cherry, je vous rappelle que vous n'avez pas droit à la calculatrice pour faire les exercices que je vais vous donner. Et cela sous-entend que vous êtes capable de les faire sans calculatrice. Voilà, Cherry. Il faut être tout simplement un peu plus attentive en classe. D'accord, professeur. Tout est clair pour moi. Excellent, Cherry. Donc maintenant, ce que vous allez faire... Vous allez toutes répondre sur vos cahiers à ces multiplications et ainsi que ces soustractions. Donc je ne veux plus rien entendre. Vous allez me noter tous vos résultats dans votre cahier et je rappelle que c'est un travail personnel. Et vous avez 10 minutes pour les faire. Voilà, vous pouvez commencer à répondre dès maintenant aux exercices et en attendant, moi... Je serai sur mon ordinateur en train d'organiser les cours suivants. Et bien entendu, si vous avez une question, n'hésitez pas.
Ah, mais les exercices sont hyper faciles. En plus, moi, perso, j'adore les maths. Je vais les faire vite fait. Pourquoi tu copies sur moi? Arrête de copier, depuis tout à l'heure, t'es retourné vers moi. Arrête de dire des bêtises, je ne regardais même pas ta feuille. J'ai déjà fini mes exercices, moi. Chut, 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 chut. Super bébé Cherry, vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît? Vous déconcentrez vos camarades qui sont encore en train de faire les exercices. Je répète, si vous avez une question, vous me la posez à moi et pas à vos camarades. Oui, mais c'est parce qu'elle s'est retournée vers moi et elle copiait sur ma feuille. Mais pas du tout. Alors là, quand tu sais pas, c'est pas la peine de dire des choses pareilles. Et comme je t'ai dit, j'ai déjà fini mes exercices. Je n'ai pas besoin de copier sur toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, mais alors pourquoi tu regardais vers moi alors? Et alors, j'ai le droit de regarder où je veux? C'est pas parce que je regarde vers ta direction que je copie sur toi. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai dit, les filles? Vous laissez vos autres camarades travailler. Et maintenant, silence, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, madame, je vais finir mes exercices, moi. Oui, ben moi, je les ai déjà finis. Très bien, finissez votre travail et laissez les autres travailler, s'il vous plaît. Très bien, madame la professeure. D'accord.